Salut à tous! On se retrouve sur Everspace, en réalité virtuelle sur Oculus Rift S. Donc c'est un jeu sur lequel je voulais revenir, parce qu'il procure des sensations franchement extraordinaires dans l'espace. C'est un jeu de tir que j'affectionne aussi, le jeu de tir, il y a de l'action. C'est un jeu roguelite où vous verrez des options, où vous pouvez monter des lasers sur des vaisseaux, enfin tout ça, il y a des classes, il y a plein de choses à découvrir. Donc on va y aller tout de suite, on va pas traîner. Ceci dit, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, hein, ça c'est important, c'est pour le soutien. Et vous avez également le Twitter si vous voulez poser des questions. Donc on va démarrer l'aventure. Allez, on va lancer, on va pas traîner. Hein. Allez, c'est parti, je mets mon casque et on s'imprègne de l'univers de Everspace. Donc je me règle correctement. Donc ça c'est important les réglages hein, sur la VR. Voilà, il faut être super, faut que ça soit net. Alors, si vous remarquerez, je peux jouer avec mes lunettes, ça c'est vachement bien. Donc on y va. On va continuer. Voilà. Voilà, donc là on arrive dans notre hangar. Donc là le hangar, vous voyez, c'est là où on choisit notre classe de vaisseau. Donc alors là on doit pas pouvoir, vous voyez, voilà, on doit pouvoir débloquer, donc on a plusieurs types de vaisseaux. Donc pour l'instant, nous on a que celui de départ. Alors je vais essayer de le retrouver. C'est celui-là. Ensuite, vous avez les équipements. Donc dans le hangar, l'équipement, vous avez tout ce qui est type de missile, laser, voilà, et les capacités de notre vaisseau, donc les statistiques, le codex, ça c'est impeccable. Donc pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite démarrer pour aller voir l'univers hein, d'Everspace. Alors, crédit non utilisé. Alors, on va peut-être démarrer sur du normal pour l'instant, pourquoi pas. Et donc on lance, et je vais essayer de vous retranscrire les sensations, vraiment. Là j'ai rien, voilà, c'est j'ai l'impression d'être dans l'univers, hein, faut être clair. Hein, c'est vraiment... Alors je vous ferai pas de commentaires sur les commandes, j'ai joué 2-3 parties effectivement pour prendre les commandes en main, puisque sinon c'est assez difficile de faire un test sur de la VR si on n'a pas les commandes en main. Alors là je me fais tirer dessus, voilà, lui je l'ai éliminé, donc je vais... On va essayer d'éliminer un peu les ennemis de la zone. Alors, je sais pas comment retransmettre le... Comment vous dire le... La spatialisation, j'appellerais ça, de la VR. Mais franchement... Alors, je vais essayer d'avoir des coups de tête pas trop... Alors, je vais envoyer un missile, vous voyez, hop. Donc, on a une touche pour les missiles. Voilà, une touche. Voilà, et donc... Alors... Là, j'ai eu une légère perte de tracking, mais honnêtement, je l'ai pas eu avant. Hein. C'est peut-être parce que je suis en stream et que du coup, j'ai une lumière plus ou moins artificielle. Voilà, on a récupéré le carburant. Non, il n'a pas voulu. Bah, c'est que je suis plein, alors. C'est que je dois être plein. Allez, on va aller chercher notre dernier ennemi. Donc, vous voyez, en fait, il y a toute une partie de loot. En éclaireur. Alors après, je vais essayer de mettre un coup de générateur d'IEM là, parce qu'apparemment il y a un truc pour scanner le, pour scanner l'univers. Donc je sais pas si je suis à portée. Si je suis à portée, voilà. Alors je suis obligé aussi des fois, je suis désolé de lever la tête parce que comme on est forcément sur du, vous voyez. Alors le seul peut-être petit reproche, c'est les explosions qui sont peut-être pas hyper bien faites. Mais franchement, faut vraiment aller chercher loin. Alors, on va mettre un coup de carré. Je sais pas ce que c'est, générateur IEM. Je pense que c'est un scan, mais je crois que je me trompe. Alors, qu'est-ce qu'on a à... Écoutez, on n'a pas grand-chose à looter, apparemment, ici. Donc là, on est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Ah, si, attendez, regardez. J'avais pas vu ça. Regardez, super. Du gaz. Je sais pas ce que ça va m'amener. On va les prendre, hein. Alors, autre chose, plus vous restez dans une zone, plus les ennemis vont spotter. Donc, à se méfier, hein. Faut pas trop rester, surtout au début, je pense, où effectivement, on n'a pas une capacité énorme. Hein. Vous voyez, là, je me suis fait spotter, donc celui-là, je vais être obligé de l'avoir. Ah non, 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 c'est qu'on a une tourelle.
Alors vous avez une jauge verte, hein. Je sais pas si on... Moi je la vois moins bien. Ah mais je suis pas au bon endroit. Attendez, je vais avancer. Voilà. Allez, on va essayer d'aller chercher les composites et puis on va se tirer. Hein. Parce que là, vous voyez, ça commence à craindre. Alors. Carburant, j'en ai assez. Alors, on va essayer de retrouver notre... voilà, qui est ici. On va spotter là-bas. Et là, on va se téléporter dans la prochaine zone. Alors, je vais peut-être recaler mon casque. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, on est sur l'écran de zone. Donc, risque inconnu. D'accord, donc on est tout en risque inconnu. Alors, est-ce qu'on prendrait pas la voie centrale, nous? Ça nous ferait... Bon, allez, on va prendre la voie centrale, on va voir ce que ça donne. Alors, par contre, j'aurais peut-être pu passer au hangar pour voir comment ça se passe. Pour essayer de vous montrer coordonnées de saut créé. Alors, est-ce que là, j'ai des... Oui, attendez, j'avais vu quelque chose là-bas, peut-être. Champ de plasma, alors je sais pas du tout ce que c'est. Alors, l'univers est franchement... Ah, j'ai dû récupérer des ressources, vous voyez. Super. Alors, ceux qui sont G et B, ça c'est une société apparemment. Ils sont neutres, donc je vais pas m'amuser à les attaquer. Par contre, ceux-là, là... Ceux-là, je vais pas leur faire de cadeau. Voilà. Allez, un petit missile pour couronner le tout. Petit coup de laser. Alors, attendez, parce que là, je vais essayer d'aller récupérer mes crédits. Voilà. Alors, il y en a un qui me tire. Ah, ok, il est là. Ok, je vais t'avoir. Ouh, c'était chaud. Alors, vous voyez, ça va assez vite. Alors, j'espère qu'à la vidéo, ça va donner parce que c'est... C'est pas évident. Alors franchement, je vous le dis, pour moi, hein, Everspace en VR, on est sur du très très loin. Graphiquement, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, quand je lève la tête, je vais essayer de le faire tout doucement. Vous voyez, en descente, c'est... J'ai pas de mots, en fait, hein, pour vous décrire ce genre de choses. Alors attendez, je vois que là, il y a du minerai, donc on va y aller. On va essayer de looter, puis d'améliorer notre matos, hein, tout simplement. Oh mince. Ah si, c'est bon, je l'ai pris. Alors, est-ce que je peux refaire ça, là? Voilà, l'IUM. Ok, donc là, on a un drone. Ok, détruit. Ouh là 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 là, mais je vais mourir! Je vais mourir! Eh ben, je suis mort! Voilà, c'était quand même pour vous montrer aussi. Alors... L'avantage, c'est que comme on est mort, on va pouvoir retourner à notre hangar. Voilà. Et allez, on va voir ce qu'on peut. Vous voyez, on a gagné 1729 crédits. Donc on va essayer de voir en capacité ce qu'on peut gagner avec ça. Alors, pour être honnête, le tableau, je le trouve pas hyper, hyper simple pour quelqu'un qui a pas spécialement l'habitude de ce genre de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être dans la coque, hein, ça pourrait être bien. Au vu de notre niveau. Là. Coque, est-ce que je peux mettre 1200? Bah écoutez, je peux en mettre un niveau. Vous voyez, je suis passé niveau 4. Et on va faire ça. Et équipement, j'ai rien d'autre. Non, les équipements, il me semble qu'on les trouve sur les... alors, je vais passer un niveau facile quand même. On les trouve sur les ennemis. Hein. Donc, on peut avoir des boucliers, genre de trucs. Alors, minerai exploitable, on y va. Donc là, je tire dessus, hein, tout simplement. Alors ça, c'est G et B. Alors, on va mettre un coup de carré. Alors, je sais honnêtement, je sais pas du tout si c'est le fameux carré. Ah, attendez, mais j'ai là. Ça, c'est quoi?
fouiller la zone. Alors, attendez, je vais pas passer dans les... Alors, je vais mettre un coup de boost. Trouvé, eh bien, perdu. C'est ce qu'il me demande. Alors, je pense que ça doit être là-bas dedans, hein. Alors, on survole. Vous voyez, on est... Attendez, c'est quoi ça? Attendez, il y a quelque chose là? Ah oui. Ah oui, il y a des caisses. J'ai trouvé cette caisse. C'est quoi? Réducteur de dégâts. Ah bah attendez, regardez. Ah voilà. Bon, vous voyez là, on a trouvé des missiles. Alors, soit, si je regarde, on les échange ou on les démonte. Alors, par contre, je suis pas très net. Je sais pas pourquoi. Je vais me régler comme vite fait. Voilà. Alors, missile corrosif, dégâts sur la coque, équipé, missile anti-bouclier, ouais, ils me disent rien, donc je vais les démonter, vous voyez, dégâts sur la coque, ils font que 20. Par contre, ils font 100 sur les boucliers. C'est plutôt missile anti-bouclier, ça pourrait... Non, en fait, on va les échanger. Et le reste, on va les démonter. Allez. Voilà. Ça, c'est quoi? Chargeur réducteur de dégâts. Utiliser maintenant. Allez, je l'ai utilisé. Alors, je sais pas quoi ça va me servir, mais bon. On apprend en même temps, hein. Allez, on va aller voir là-bas. Il y a des caisses. Apparemment, c'est cette zone-là. Voilà, on a des caisses ici. Oula, je l'ai perdu, ouais, parce que ça va hyper vite. Attendez, je vais reculer. Je vais essayer de retrouver la caisse. Il me dit qu'elle est là. Elle est là. C'est lancé, voilà. Ok. Donc là, j'ai trouvé les biens perdus, apparemment. Donc là, c'est bon. Donc on va aller là-bas. Il dit qu'il faut les rendre là. Non, franchement, là, je vous dis clairement, je suis dans l'espace. Il n'y a pas photo, c'est super jeu. C'est, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors, il faut que je les rende où? Ah, bah, je les ai rendus. Voilà, je les ai rendus. Il fallait que je m'approche du vaisseau. Ok, donc je les ai rendus à la fameuse société GEB, là. Allez, on va faire le tour. Donc là, on est bon. Ah, si! Autre chose qui est très important. Il n'y a pas du tout d'effet... de motion sickness, hein. Moi qui suis très sensible, j'ai aucun effet de maladie ou quoi que ce soit. Je suis, franchement, c'est impeccable. Bon, après, l'avantage c'est que vous pouvez jouer en station assis. C'est pour ça que je pense que ça change rien. Alors, en termes de détails du cockpit, c'est relativement bien fait, hein, y a pas de souci. Alors là, on était au secteur 1, mais j'étais allé en bas, moi non. Je pensais que j'étais allé en bas. Ah oui, non, là il me demande. Non, on va aller là, allez. Allez, c'est parti. Donc on a deux éclaireurs en face. Donc on va booster. Voilà. Donc c'est bon. On va tester les... Ouh, attendez, parce que là on a des missiles anti-boucliers. Donc ça, on va aller les prendre. Alors, il est où celui qui me tire dessus? Il est là. On va lui tirer un, voilà. On va lui tirer un missile. Est-ce qu'on va le détruire? Oui. Attendez, ouf. Vous avez vu, j'avais le missile en face. Ça, c'est super bien fait. Et j'en ai un deuxième qui est là. Donc, on va aller le choper, lui. On va aller voir avec le missile. Alors, je suis au milieu des météorites, ça, c'est pas terrible. Allez, je lui tire un missile. Ok.
tirer. Alors il passe souvent, c'est souvent la même technique. Il vous passe par-dessus. Voilà. Il passe en dessous. Mais là, cette fois, il va pas passer. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, c'est les nanobots. Alors, les nanobots, d'après ce que j'ai compris, que j'ai récupéré, c'est les choses qui vous permettent... Attendez, lui, on va l'avoir. Hop, un coup de missile. C'est les choses qui vous permettent de vous réparer. Ah, là, là, je l'ai pas eu. Vous voyez, c'est ma dextérité à moi, elle est relativement limitée. Voilà. Allez. Nano extracteur plan. Ça, je vais absolument le prendre. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Nouveau plan. Voilà. Processeur. Il y a pas mal de choses là que j'ai pas pris. Allez. On y va. Bon, il y a juste ça, des fois, voilà, il faut être un peu... Missile anti-bouclier, 9. Je dois en avoir assez, et je vais reprendre du carburant, mais je pense que carburant, j'en ai assez, hein. Voilà. Ah mince, ils sont hostiles. Allez, on s'en va. Parce qu'ils sont devenus hostiles, les GEB, je sais pas pourquoi. Alors, je les ai pas attaqués, hein. Voilà. On est OK. Allez, on va essayer de finir ce secteur. Écoutez, je pense que pour une découverte, on est pas mal. Je vous dis à très bientôt sur Everspace VR. Allez, à plus tout le monde !